Bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du lancement du programme de recherche Art Sciences de Sorbonne Art Gallery. C'est un programme qui se veut être une nouvelle interface d'échange interdisciplinaire et j'aurai le plaisir de la co-animer avec Emma Millet. Alors, dans ce cadre, nous inviterons régulièrement des artistes, des scientifiques, des critiques, des philosophes, des chercheurs issus de différentes disciplines à croiser leur regard sur les interactions entre les arts plastiques et les sciences dites dures. Les entretiens auront lieu deux fois par mois et seront diffusés en direct sur la plateforme Zoom, mais vous avez également la possibilité de nous suivre toujours en direct sur la page Facebook de Sorbonne Art Gallery. Toutes les informations sur le programme seront disponibles dans la rubrique Art Sciences de Sorbonne Art Gallery. Pour cette séance inaugurale, j'ai le plaisir d'accueillir le physicien Julien Bobroff. Il est spécialisé dans le magnétisme, la supraconductivité, la physique de la matière et la physique quantique. Il est également professeur à l'Université Paris-Sud, où il a fondé, il y a quelques années, avec un collègue, un autre physicien, Frédéric Bouquier, une équipe de recherche qui s'intitule La physique autrement. Comme son nom le laisse sous-entendre, ce groupe de recherche travaille à trouver de nouvelles façons de présenter, de vulgariser la science et particulièrement la physique quantique auprès du grand public. À ce titre, Julien Bobroff et son équipe font appel à des créateurs, principalement des designers, mais aussi des artistes, des illustrateurs scientifiques, etc., pour collaborer autour de projets interdisciplinaires. Ah, au sens large du terme, nous a complètement décalés. C'est-à-dire qu'ils nous ont emmenés ailleurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait, nous, savoir de la vulgarisation, de la façon de le faire, de la façon de la représenter, et la matière scientifique elle-même, ben, ils nous ont emmenés dans d'autres champs. Alors, ce que je dis est très naïf et très évident pour des gens qui ont déjà travaillé avec Est-ce des que designers. justement on pourrait le définir presque ce domaine pédagogique de vulgarisation scientifique comme un domaine de recherche à part entière dans le cadre de vos activités et de cette équipe? C'est une bonne question. Alors, je me méfie beaucoup du mot recherche, parce que venant de la recherche en physique fondamentale, pour moi, elle a un truc très qualifié. La recherche, c'est à la fin une production académique dans mon champ scientifique et que peuvent évaluer et dont peuvent s'inspirer les collègues. C'est ça pour moi la recherche. Et donc, de ce point de vue-là, pas du tout. Ce qu'on fait en vulgarisation, ce n'est pas du tout de la recherche. J'appellerais ça plutôt de l'innovation. Alors, certains vont parler de recherche-action, mais cette partie-là, pour moi, développer des nouveaux projets avec des designers ou autres, ce n'est pas de la recherche. On va créer des choses nouvelles, qu'on va espérer être nouvelles et différentes, on en reparlera après, mais ce n'est pas de la recherche. Ce qu'on va faire, par contre, nous, en termes de recherche là-dessus, c'est un vrai travail académique avec le champ des sciences humaines et sociales, où on va essayer de penser ce qu'on a fait. Par exemple, quand on a été bossé avec des designers à l'ENSI, donc une école de design à Paris, eh bien, on a ensuite travaillé avec des gens des sciences de l'information et de la communication, des gens de la sociologie, des gens des sciences du design, pour essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se joue dans cette interdisciplinarité. Quand un physicien va face à un designer et qu'ils bossent ensemble pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chacun sort un peu de sa discipline? Est-ce que c'est de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, etc. Et là, à la fin de ça, on a fait tout un travail d'enquête, d'études, de terrain, d'interview, qui était publié académiquement dans une revue et dans des conférences et autres. Et ça, Donc c'est en j'appellerais ce ça de la sens-là que je recherche. disais, voilà, que Ouais. c'est Donc, quand un on essaye de domaine. penser nos pratiques, c'est vraiment de la recherche. Quand on fait ses pratiques elles-mêmes et qu'on s'amuse avec des designers à faire des trucs, alors peut-être dans le champ art-science, bon, moi je ne pense pas que c'est art-science, mais dans ce champ au sens large du terme, là pour moi, ce n'est pas de la recherche. Donc voilà, si je D'accord. devais définir la recherche, pour moi, c'est Oui. plutôt si on pense ces trucs-là et qu'on le fait dans un champ académique. Alors quand je dis ça comme ça a l'air très très chiant la recherche hein, par rapport à la partie design et interaction. Mais c'est vrai quoi, enfin, il y a un truc un peu dur où on doit partager un vocabulaire, des protocoles, des processus et autres, qui est bien plus contraint que dans le champ, pour le coup, de la création d'objets de vulgarisation nouveaux, où là, on pouvait se lâcher et faire tout ce qu'on voulait. On n'était pas tenu par une communauté derrière et c'est juste et coutume. Donc voilà, nous, on essaie de faire les deux et on fait pareil dans le champ de l'enseignement aussi. Donc ça, c'est, j'ai pas du tout, c'est fort, hein, j'ai pas du tout répondu à la question de départ. Donc la question de départ, je crois que c'était qu'est-ce que cette rencontre avec le champ de l'art, du design ou autre, peut apporter aux Exactement. scientifiques, c'est ça? Oui.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces expériences? Alors peut-être on pourra montrer quelques-unes pour que Ah ouais, nos vous voulez que je auditeurs, vous montre nos deux, trois trucs avant de internautes, vous dire ce que ça vous a voilà, apporté? puissent comprendre de D'accord. quoi il s'agit et Alors. après nous partager votre ressenti. Qu'est-ce qui vous a traversé véritablement dans ces D'accord. expérimentations? Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je n'ai pas trop préparé, je ne suis pas hyper sérieux. Alors, j'ai repiqué un vieux truc. Vous voyez là mon écran? Ah non, attendez, excusez-moi. Oui, très très bien, Mais oui, mais je n'ai pas ouais. partagé le son. Il me faudra peut-être du son. Ok. Alors, en gros, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les projets nous emmenaient partout ailleurs, de là où on était au Oui. départ. C'est-à-dire que nous, on avait un corpus, on va vulgariser par exemple la physique quantique de façon très docte et très sérieuse, et les designers nous emmenaient ailleurs. Et donc, ce que je vais juste vous montrer, c'est quelques exemples de projets où justement, ils nous emmenaient ailleurs en vous disant comment ils nous emmenaient ailleurs. Et souvent, ils nous emmenaient ailleurs en remettant en cause quelque chose et en se décalant par rapport à la proposition initiale. C'était ça un peu leur travail. Donc, le premier truc, c'était évidemment de nous décaler par rapport à nos façons de représenter la science. Par exemple, en physique quantique, nous, on a des façons très normées de représenter un objet, de représenter une fonction d'onde quantique. Ça a une forme mathématique, ça a un nom, c'est une lettre grecque, etc., etc. Et donc, quand on nous demande d'expliquer aux gens ce que c'est qu'une particule quantique, hein, cette espèce d'onde évanescente, là, un peu comme ça, eh ben, on est très vite ramené à nos propres représentations. Donc, les designers, ils ont tout de suite dit, mais on ne comprend rien à vos trucs, c'est très mathématique, on va essayer d'autres choses. Par exemple, ça, c'est Paul. Paul, il nous a emmené dans du rhodoïde. Donc, on est dans de l'objet en plastique. Et où soudain, en déployant, vous voyez, des formes très simples, finalement, c'est juste du rhodoïde imprimé, et bien, on a un objet en volume qui est là, sans être là, il y a une matière, du volume, un peu de transparence, et ça dit plein de choses très fines et très justes sur ce que c'est que cet objet quantique. Là, ce que vous voyez, par exemple, c'est un atome d'oxygène, voilà, c'est l'orbital d'un atome d'oxygène, et avant qu'on le mesure, on va dire que le chimiste peut reconnaître là une orbitale P, par exemple. Donc, ces codes de représentation. Voilà, elle est juste pour le plaisir des yeux, une orbitale de cuivre. Voilà. D'accord, j'aurais pas pensé. Ah bah si, là c'est clair, on la voit, on a PX2 moins Y2. Et puis à manipuler, à jouer avec, ces objets ils sont intéressants. Alors il a fait plein de vidéos à partir de ça, etc. Un autre truc qu'aimait bien faire les designers, c'est pousser ça encore plus loin, c'est-à-dire prendre à nouveau nos codes de représentation et les détourner carrément, les emmener vraiment dans un autre univers. Alors je vous montre un des cas les plus extrêmes, c'est Grégoire. Donc Grégoire, lui, il nous a fait des séries de chorégraphies hallucinantes. Acte 2. Saut quantique. Un photon, comme tout objet quantique, passe brutalement d'un état d'énergie à un autre. Là, vous avez un photon que vous n'auriez pas reconnu. Et il va sauter, attention. Ah, ça y est, il a sauté d'un état à l'autre. Hein. On va le revoir sauter. Bon, etc. Vous voyez qu'on est clairement ailleurs. Alors, quand on montre ça aux potes physiciens, ils se disent, mais vraiment, Julien, qu'est-ce que tu fais dans ton école de design? Alors moi, je l'utilise beaucoup au début des cours, ça, justement, pour questionner les étudiants et leur dire, alors, pour vous, c'est un photon, c'est pas un photon, et puis travailler sur cette question de la métaphore. Je peux vous montrer celui-là. Alors ça, c'était la question que moi, j'aime beaucoup, c'est de nous décaler par rapport à nos propres façons de montrer. Donc pas la représentation elle-même, mais la façon de se mettre en scène, notamment l'acte de médiation. Le physicien, il aime bien aller sur scène, puis parler à du public comme ça, face à lui, et puis dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc, les designers nous ont beaucoup fait travailler ce dispositif de médiation. Où est le public? Où je suis? À quelle hauteur? De quelle façon? Ça, par exemple, c'est Marianne qui nous a inventé toute une petite mallette d'objets, à base de bois en réalité, pour créer des illusions d'optique très simples qui nous permettent de développer un discours scientifique. Donc, par exemple, ici, elle va mettre en scène avec des gouttes d'encre dans du lait la notion d'orbital que vous avez vue juste avant. Encore, si j'avance un petit peu, là, avec des techniques de moirage dans du bois, la notion de quantification. Alors, je ne détaille pas la physique, mais vous voyez que clairement, on n'est plus du tout dans le PowerPoint du physicien. On est ailleurs. Donc, on a à la fois le mode de représentation et le mode de monstration aussi. On est à hauteur du public avec des mains. Et je peux continuer. Il y a Clément, par exemple, lui, qui nous a emmenés vers l'univers de la cuisine. Je ne détaille pas, mais voilà, on était dans des macarons pour comprendre le tableau périodique. Ou encore, je vais peut-être finir sur celui-là parce qu'il me semble intéressant, ou peut-être un autre après. Natacha? Nous, on s'attendait à ce que les designers ils nous emmènent dans de la science-fiction et du 3D, en gros, très très naïvement, parce qu'on se disait, la physique quantique, c'est de la science-fiction, en gros, pour les gens. Et très souvent, ils nous ont plutôt ramenés dans de l'infraordinaire, dans le quotidien. Ça, c'est Natacha, par exemple, qui, pour incarner l'effet tunnel, nous a ramenés dans un pauvre appartement parisien. Vous allez voir, vous allez reconnaître votre appartement, où il y a du grille pain, où il y a des arrosoirs, et avec des petites scènes de la vie quotidienne très simples, on se rend compte de l'incongruité de la physique quantique. Là, la physique quantique, en gros, la tartine, elle passe à travers votre mur pour arriver dans votre salle de bain. Et puis, si vous arrosez chez vous, avec l'effet tunnel quantique, ça passe chez le voisin, etc.
Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la représentation, ce qu'elle nous avait emmené dans un appartement extrêmement dénué, très simple, juste des bruitages, pas de musique, etc. Donc là encore, pas où là, nous, on attendait qu'on nous emmène. Et puis le dernier rôle, évidemment, quand on va travailler avec des designers, et on pourrait imaginer que c'est premier, c'est faire des scénarios prospectifs, imaginer des usages d'objets du quotidien. Et là encore, les designers nous ont emmenés là où on ne les attendait pas forcément. Par exemple, réinventer des techniques de lévitation supra que nous, on sait faire, mais pour des usages peut-être détournés par rapport à ce que nous, on imaginait. On imaginait qu'on nous ferait des transports, en gros, et pas du tout. On nous faisait une petite enceinte qui nous suivait chez nous, ou un plat à four qu'on tient sans le toucher. Alors ça, on peut le faire, véritablement en physique, mais il faut refroidir l'objet pour y arriver. Et là encore, dans la représentation, ne pas nous emmener dans les codes auxquels nous, on s'attendait. Donc je dirais que la posture intéressante ici, c'est la posture du décalage. Et donc, Mais donc, en gros, si je reviens à cette question qui est « mais qu'est-ce que ça nous a apporté ?» Alors, à moi, en tant que scientifique, en tant que chercheur, la réponse, c'est rien. Et rien du tout. Et j'insiste là-dessus parce que très souvent, il y a cette illusion dans le champ art et science que l'artiste va amener une sorte d'inspiration d'univers, etc., au physicien qui va s'en inspirer et soudain faire de la recherche autrement. Et il y a plein de gens qui tiennent ce discours, que je respecte tout à fait. Moi, à titre personnel, ça n'a rien changé à mes pratiques. Alors peut-être parce que je suis obtus, mais en essayant d'étudier un petit peu les gens qui disaient toujours « moi, ça a beaucoup changé mes pratiques, ma façon de voir, etc. » Et quand on creuse un peu, on se rend compte que pas du tout, que c'est un très beau discours, mais qu'en réalité, ça n'a pas du tout changé leur façon de faire de la science, leur façon de la mettre en scène, leur façon de faire des articles et puis d'avancer dans la science. Et pour ça, j'ai trouvé intéressant justement de discuter avec vous pour inaugurer le programme Réscience, même si ça pourrait paraître paradoxal, puisque c'est vrai qu'on entend très souvent cet argument de la sérendipité. Ouais. Très souvent en faveur des projets art science. Ouais. Or, il y a cette question du décalage que vous avez évoqué et qui, moi, me semble tout aussi importante, si ce n'est plus dans la mesure où elle arrive plus fréquemment, puisque il n'est pas vrai que le scientifique ne pourrait absolument pas apporter. Mais disons, quantitativement, c'est plutôt rare qu'il vous aidera à résoudre une formule. En ce sens-là, ce décalage, ce déplacement de sens mériterait peut-être d'être théorisé davantage, d'être étudié peut-être avec des spécialistes en sciences humaines, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un argument qui n'est pas assez valorisé, justement, dans ces rapports. En tous les cas, oui. Ouais, pardon. Cette question de la sérendipité, on peut la balayer quand même assez vite, parce qu'elle plaît beaucoup à tout le monde. Moi, j'ai moi-même encadré un mémoire sur la sérendipité dans une école de design. Donc, je me suis farci toute la littérature. Et là encore, c'est un truc hyper séduisant, hein, cette idée qu'à un moment donné, quelque chose d'un petit peu aléatoire, d'un petit peu surprenant, va se créer dans cette rencontre art science, même plus généralement dans un labo de recherche, et va provoquer des découvertes. Et c'est un truc qu'on entend beaucoup, qui est très à la mode. Alors moi, j'ai été très bourrin là-dessus, un bon physicien. J'ai repris tous les prix Nobel en physique. Il y en a 105, je crois. Et j'ai regardé dans chaque cas s'il y avait de la sérendipité ou pas, une vraie sérendipité ou pas. Je crois que dans un ou deux, j'ai réussi à en trouver, mais c'est tout, quoi. C'est ridicule. C'est toujours des gens qui bossaient depuis 15 ans dans le même domaine en essayant de trouver le même truc et qui l'ont trouvé à la fin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inattendu. Je crois qu'il faut vraiment distinguer l'inattendu. On peut vraiment la quantifier, parce que parfois, elle se passe dans des, dans des domaines... Je caricature un peu, mais disons, ce truc de le mythe de la pénicilline, quoi, cette espèce de découverte faite par hasard, soudain on laisse tomber un truc, ou quelqu'un rentre à ce moment-là, et on discute, et soudain, j'ai pensé à ça, ce truc-là quand même... Mais c'est vrai que Fleming, justement, qui a inventé la pénicilline, a pratiqué de l'art microbien. Ouais, mais alors dans le champ de la physique, qui est celui que je connais, on va dire, dans ce champ-là... 95%, on va dire, des grands scientifiques et des grandes découvertes ne se sont pas faites par hasard. Ouais. Par contre, qu'il y ait de l'inattendu en recherche, évidemment. Mais voilà. Donc, si on évacue ce truc de la sérendipité, alors peut-être que plein de gens vont me dire que non, je me plante complètement, qu'en réalité, elle est au cœur de la recherche et tout et tout, et je veux bien en discuter dans le champ de la physique. Les autres champs, je ne les connais pas. Dans le champ de la physique, je veux bien aller me bagarrer. Il y a cette question du décalage qui est intéressante et du décalage de représentation. Mais là aussi, je vais être hyper négatif. Hein. Après, je vous dirai toutes les choses positives que ça nous a apportées. Mais puisqu'on commence par le négatif, j'y vais. Très bien. Les designers m'ont souvent dit, et par exemple les gens avec qui on a travaillé dans la typographie, les gens avec qui on a travaillé dans le design graphique, nous ont dit, mais est-ce que moi je ne vous propose pas justement d'autres façons de penser votre discipline, d'autres façons d'écrire vos équations, d'autres façons de représenter? C'est hyper séduisant. Par exemple, il y en a plein qui voulaient travailler avec nous sur la représentation des équations. Mais là, on est dans un champ tellement normé, où on est dans une communauté de plusieurs dizaines de milliers de chercheurs dans le monde, qu'on doit partager le même langage, les mêmes façons de représenter et tout, qu'on n'a pas un designer génial qui va dire « Tiens, je vais vous inventer une nouvelle typo, une nouvelle façon de faire des équations. » Et donc, alors peut-être que c'est mon côté très réac et très conservateur, mais je ne vois pas comment, dans un truc collectif aussi fort et aussi tenu par des règles collectives, quelqu'un d'individuel peut venir et nous aider à changer des pratiques qui nous permettent de bosser collectivement.
Donc, changer nos modes de représentation, moi, j'y crois pas trop, ou peut-être à la marge. Peut-être à la marge. Et d'ailleurs, si vous regardez l'article scientifique maintenant et il y a 100 ans, c'est à peu près la même chose. Il y a de la couleur en plus. Mais la façon dont c'est représenté, les figures, les trucs et tout, ça a quasiment pas changé. Un tout petit peu, parce que maintenant, on sait faire un peu de 3D, mais c'est tout. Donc, je vois pas une influence du champ du design, du champ du graphisme, du champ de l'illustration, du champ de la typo. Et je le regrette, hein, mais je le vois pas. Donc, voilà, dans le côté négatif... Mais est-ce que ce serait véritablement l'objectif? Puisque, Alors, je peux juste parler au nom des gens avec qui j'ai travaillé, dont le rêve, c'était de changer notre façon de faire de la recherche et de la représenter. Un autre rêve, c'était de nous faire changer la façon de fabriquer nos expériences. Ouais. Parce que c'est aussi des créateurs, c'est des gens qui fabriquent. Ouais. Et là aussi, bide total. Moi, dans le champ de la physique quantique, pour fabriquer un cryostat, à un moment donné, c'est très technique, c'est très industriel, et on ne peut pas se permettre beaucoup de liberté. Donc, c'est peut-être mon champ à moi de la physique quantique qui est hyper cloisonné, et où je suis vraiment comme ça, avec des œillères. Mais... je ne vois pas d'impact clair du champ de l'art sur la façon dont on fait de la recherche en physique quantique. Voilà, je peux le dire juste comme ça. Oui, oui, oui. C'est pour ça, au début de notre conversation, je vous ai posé la question, qu'est-ce que la création apporte finalement à la science? Alors, puisque là, j'ai compris, en écoutant pas grand-chose. Disons des choses positives. mais aux scientifiques. Ouais, alors, c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est le scientifique aussi qui crée la science. Ça apporte deux choses. Pour moi, essentiel. Mais là, je parle en mon nom à moi. Je n'ai pas fait une vraie étude, donc c'est moi ce que ça m'a apporté. Bien sûr. Premièrement, là où ça apporte vraiment et où ça m'a apporté énormément moi, c'est dans l'enseignement, dans la façon d'enseigner les sciences. C'est-à-dire, soudain, en découvrant comment marcher une école d'art, comment marcher une école de design, la pratique par la créativité, par le projet, pour le coup, par un peu de sérendipité, par un peu d'aléatoire, etc., etc. Ça, je m'en suis directement inspiré moi pour transformer toute ma façon d'enseigner la physique à l'université. Et ramener cette créativité en physique, ce qu'on ne fait pas dans l'enseignement de la physique, alors que c'est au cœur de la recherche. Donc moi, ça a changé ma façon d'enseigner. Ça n'a pas changé ma façon de faire de la recherche, mais ma façon d'enseigner, ça clairement. Et c'est un impact qui est considérable, à mon avis. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième impact, à titre personnel à nouveau, c'est le bol d'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout de 20 ans de physique quantique, devant le même cryostat, faire les mêmes expériences qui durent 6 mois à chaque expérience, on est un peu comme ça, quoi. On en a un peu marre. D'abord, on en a marre. Je veux dire honnêtement. C'est et puis ensuite, c'est long, c'est répétitif, c'est dur. Et on est dans une communauté, évidemment, une petite communauté fermée, avec les mêmes us et coutumes, les mêmes façons de voir, et on tourne avec les mêmes personnes dans la même communauté. Et donc, à un moment donné, voir d'autres gens qui sont si ouverts, si curieux, si débordants de tout, d'inventivité, etc., etc., ça fait un bien fou humainement. Donc moi, je trouve que rien que du point de vue humain, c'est un vrai bonheur. Mais voilà, humainement, c'est ça que ça m'apporte. Et si je traite juste la question inverse, qu'est-ce que moi je leur ai apporté? Parce que ça, on a essayé de l'étudier en faisant plein d'interviews de designers, d'artistes et tout, et en essayant vraiment de chercher. Alors là aussi, malheureusement, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc moi, mon rêve au début, c'était je vais les inonder de science et les illuminer de la physique quantique, et ils vont repartir en se disant waouh, la science c'est formidable, la recherche c'est formidable. Et non, ce n'est pas du tout ça qui s'est joué. C'est-à-dire, ça, ils se le disent, mais ils ne sont pas très naïfs, hein, ils sont quand même un peu malins et prennent du recul. Et. Ce que ça leur a apporté, eux, c'est affreux. Hein. Ça m'a démoralisé quand j'ai appris ça, mais en fait, c'est très intéressant. C'est que finalement, ça leur apprend à gérer la question de l'inconnu et de l'incompréhensible. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 3 mois, ils avaient un physicien quantique, ils ne comprenaient pas tout ce qu'il disait, mais il fallait quand même faire un projet en sortant de ça. Et ça, c'est un truc pour nous, antinomiques, physiciens. Nous, il faut qu'on comprenne pour pouvoir avancer. Et les designers disaient souvent dans les interviews, mais moi, je revendique le fait de ne pas tout comprendre et de quand même pouvoir m'en servir comme d'une matière plastique, d'une matière tangible, pour produire. Et cette question, elle est intéressante, et même les profs avec qui on travaillait disaient, mais pour un designer, c'est intéressant de se confronter à l'inconnu, et d'essayer de s'en sortir quand même. Et donc, en fait, moi, je jouais le rôle de l'inconnu, quoi. Je jouais le rôle du truc auquel on ne comprend rien, qu'on donne aux designers, et à eux de s'en sortir. Et c'était une sorte d'exercice de style pour eux, de survivre dans cet univers très scientifique. Après, évidemment, ils ont appris plein de choses en science. Et il y en a plein qui ont fait des très beaux projets, alors que je pense qu'ils n'ont rien compris à la physique quantique. Et ce n'est pas grave. Et paradoxalement, ces projets ont favorisé la compréhension du public. Ouais. Ah, ça a coupé. Je disais paradoxalement, même s'ils ne comprenaient rien ou pas grand-chose, leurs projets ont favorisé la compréhension des concepts en physique quantique, quand même assez complexes. Oui, je le confirme. Donc voilà, donc à chaque fois, moi, ça a été, en gros, le message, c'est que ça a été à chaque fois très loin de mes idées reçues. Donc moi, si j'ai une seule grande règle que j'ai appris de tout ce travail-là, c'est se méfier de ces idées reçues sur les collaborations art et science et essayer et ensuite se demander objectivement ce que soi-même on en a retenu et ce que les autres en ont retenu sans se laisser avoir par les lieux communs. Voilà, c'est juste ça que j'ai retenu.
Mais c'est ma seule expérience, hein, donc je ne veux pas généraliser ça. Bien sûr, bien sûr. Et vous en avez eu beaucoup, pas seulement avec des designers, mais aussi avec des illustrateurs scientifiques. Je voulais revenir sur cette question de ce que la création, je ne parle pas d'art parce que vous avez plutôt collaboré avec des designers, même si je pense que ça vous est arrivé de travailler avec des artistes plasticiens, déjà. Oui. Indirectement, si ces expériences apportent aux scientifiques, donc vous avez parlé d'un peu d'oxygène, etc., est-ce que finalement, on ne peut pas s'attendre qu'il y ait certains changements par rapport à votre perception de la science qui ne peut pas être forcément quantifiée? Ouais, est-ce que finalement... Vous posez déjà cette question. Ouais, non, mais c'est la bonne question. Ouais. C'est est-ce que finalement, ouais, ça peut changer d'une certaine façon ma façon de voir la science? Par rapport au regard, oui. Ouais. Oui. J'aimerais tellement que là, dire oui. Ouais, j'aimerais dire oui. Dans mon cas personnel, c'est non, quoi. J'ai pas changé ma façon de regarder la science. J'ai même pas changé ma façon d'expliquer la science, de la mettre en scène. Ce que je peux dire quand même, c'est que ça m'a permis de prendre du recul. Et je pense que je comprends mieux que je comprenais avant. C'est juste parce que j'ai dû faire l'effort de l'expliquer, de la mettre en scène auprès de ce public-là. Et que c'est un public qui ne se laisse pas juste écraser par « Ah, la science, c'est beau ». Donc, ce travail de pédagogie avec eux et de dialogue avec eux m'a permis de mieux comprendre, je pense, ce que j'expliquais. C'est un grand classique de l'enseignant. C'est-à-dire qu'en enseignant, on comprend mieux. Et là, c'est pareil. Mais peut-être pas spécifique au fait que ce soit des designers. Est-ce que moi, ça a changé ma vision de la science? Oh, j'aimerais tellement dire oui. Ben non. Ben non, hein, c'est terrible, hein. Alors là, vraiment, quand je dis ça, on se dit le type borné, complètement fermé. Ça fait 10 ans qu'il bosse avec des designers, des écoles d'art, des gens hyper ouverts, hyper créatifs, et il revient et il a les mêmes équations, les mêmes trucs, tout pareil. Mais je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que je pense que je suis le seul à dire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écoute des gens parler de art et science, ils disent que ça a tout changé pour eux, leur vision du monde, leur vision de la science, etc. Et moi, j'y crois pas. Dans le fond, je pense qu'il faut gratter. C'est-à-dire que mon conseil, j'adore donner des conseils, c'est que pour les prochains intervenants que vous aurez, si vous avez des scientifiques à nouveau qui sont dans le champ art et science et qui disent « moi, ça a changé ma vision », allez gratter. C'est-à-dire, vous ne laissez pas juste faire par ces belles phrases et allez vraiment vérifier ce que ça a changé. Et essayez de comprendre ce que ça a changé précisément en leur disant « mais donnez-moi un exemple concret d'un phénomène physique où soudain ça a changé votre vision ou d'une façon de résoudre un problème ou de monter une expérience ». Et là, ça devient intéressant. Mais moi, dans mon cas, ben non, quoi. Parce que je pourrais vous dire plein de choses fausses là-dessus. Mais à la fin, je ne vois pas une expérience ou un truc que j'ai fait différemment. Par contre, j'enseigne différemment, ça c'est vrai. Oui, c'est pas négligeable en soi. Ouais. Alors peut-être que c'est propre à mon champ, parce que mon champ c'est un champ de science lourde, quoi. La physique quantique, il faut descendre à 0,02 degré du zéro absolu, c'est des échantillons qu'on met 6 mois à fabriquer, on va mettre 1 an à les mesurer, c'est lourd. Je pense que par exemple dans le champ des sciences plus douces, entre guillemets, par exemple les gens qui travaillent sur les mousses de savon, sur les bulles, moi je connais des équipes qui travaillent là-dessus, et qui, eux, sont bien plus ouverts à ce dialogue art et science et qui disent qu'ils apprennent bien plus de choses. Alors, le truc dont il faut se méfier, c'est que souvent, ce dialogue art et science, en fait, c'est art et technologie. C'est-à-dire que souvent, quand on dit art et science, se cache derrière, en fait, le fait que l'artiste va venir chercher une technologie ou un savoir-faire chez le scientifique, par exemple, fabriquer des belles bulles, par exemple, avoir des éclairages très spécifiques, des illusions d'optique, etc., hein, Olafur Eliasson, par exemple, ou des gens comme ça. Et on va dire c'est art et science. Pour moi, c'est l'art qui vient chercher de la technologie chez les scientifiques. Ce n'est pas art, science fondamentale. Oui, oui, oui. Voilà. Ma question n'était pas orientée vers ces rapports art et technologie. Ça, c'est vrai que c'est autre chose. Mais c'était plutôt par rapport à un changement de regard. Donc, de façon de penser la science. De façon et l'art et la création. Ah oui, j'aimerais tellement dire oui. Oui. Bon. Mais peut-être que je suis restant le plus sur ce désir. Sur ce désir, est-ce que vous envisagez de travailler avec des artistes plasticiens et pourquoi avoir choisi jusqu'à présent majoritairement des designers? Est-ce que ce décalage ne sera pas d'autant plus accentué avec des artistes? Alors, c'est une très bonne question. Nous, là, actuellement, nous avons des étudiants en art plastique. Ouais. De parler. Alors, on l'a fait. On a travaillé avec des écoles d'art. Et sur un côté plus art plastique, plus ouvert. Et puis parmi les designers, soyons honnêtes, il y en a plein qui ont fait finalement des projets d'art plastique. Je pense à un projet sur la microscopie, d'un travail graphique par exemple, uniquement d'inspiration. Il y a beaucoup des projets qu'on a fait où à la fin, c'est une production artistique qui n'a rien de design et rien de scientifique. Mais moi, je ne vais pas forcément vers ça. Alors là, pour des raisons très pratiques,
Et là encore, peut-être très borné, c'est que il me semble, je vais peut-être dire des choses bêtes, hein, mais il me semble que le champ du design ou des arts appliqués se soucie encore beaucoup, un peu du commanditaire et beaucoup du public. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette question, même si on fait n'importe quoi, on produit quand même un objet de design pour qu'il soit utilisé, pour qu'il soit mis en scène et qu'il soit utilisé face à un public avec un contexte, une médiation, un scénario, etc., un scénario d'usage. Il me semble que l'artiste peut évidemment se soucier de toutes ces dimensions-là, mais à un moment donné, il va produire une production plastique propre à sa propre sensibilité, son intérêt, son univers, sa création. Et il n'a pas à se laisser emmerder par le public à un moment donné. Il peut être un peu plus libre de ça. Et je pense que j'ai peur de cette liberté. C'est-à-dire que moi, à la fin, le temps, l'argent, l'énergie que je vais mettre dans ce genre de projet fait qu'il faut quand même que j'ai quelque chose d'un peu utilisable. Et j'ai très peur, si je travaille avec un vrai artiste plasticien au sens noble du terme, que ça produise quelque chose d'intéressant dans son contexte à lui, mais inutilisable pour moi. Donc, à nouveau, c'est mon côté un petit peu trouillard et borné qui fait que je ne vais peut-être pas vers ce champ-là. Une autre raison peut-être, alors là, elle n'est vraiment pas terrible, hein, c'est que c'est plus dur pour moi à évaluer. Mais je vais la mettre sur le tapis quand même, cette question-là, parce que je trouve qu'elle est intéressante. On ne va pas faire de langue de bois entre nous, hein, je ne sais pas qui assiste à la vidéo, mais allons-y. Dans le truc art et science, quand les scientifiques sont sollicités par les artistes pour faire une collaboration comme ça, en général, ils sont assez sympas, ils disent « Ah oui, super, on y va, etc. » Ou alors, ils n'aiment pas, mais s'ils aiment, ils disent oui. Mais ils ne se posent jamais ou pas souvent la question de la valeur de l'artiste. C'est-à-dire que nous, entre scientifiques, on sait très bien qui sont les bons, qui sont les pas bons. Ah oui. Mais les artistes, en général, on n'a pas de culture très dans le champ de l'art contemporain, on ne connaît pas bien, etc. Et donc, on ne sait pas distinguer quelqu'un de bon de quelqu'un de pas bon. Et donc, on dit un peu oui au pif, et à la fin, ça peut être quelqu'un de pas terrible. Parce que dans votre champ, il y a des gens pas terribles et des gens formidables. Et donc, il y a cette hypocrisie qu'on fait semblant que tout le monde est un peu pareil. Et à la fin, ben non, tout le monde n'est pas pareil. Un peu comme chez nous, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Enfin, je déteste ce mot-là, mais on va le dire, qu'en plus de réputation, qui produisent des choses plus originales, qu'on voit à plus long terme, etc. Dans le champ du design, j'ai l'impression, de l'illustration scientifique, de la création numérique, vu qu'on est sur un contexte de vulgarisation et autres, c'est un peu plus facile à évaluer. C'est-à-dire que moi, si j'ai des designers professionnels qui viennent me voir avec un book, avec des productions, et qui me disent « voilà ce que j'ai fait avant, et voilà ce que je vous propose de faire et qu'on peut faire ensemble », je sens un peu mieux si la personne est de qualité ou pas. Avec un artiste, moi, je suis perdu, je ne sais pas juger. Et donc, j'ai peur d'être avec un artiste médiocre. Et cette question du jugement du niveau de l'artiste, moi, je trouve qu'elle est cruciale et qu'on la met sous le tapis, mais elle arrive dès qu'on va être sur un appel à projet ou autre. À un moment donné, on va regarder le CV de l'artiste et on va bien voir où il a exposé, quel est son... Enfin, vous avez des systèmes de reconnaissance entre vous. Et moi, je sais très bien évaluer un autre scientifique. Ben oui. Mais nous, les scientifiques, on sait très mal évaluer les artistes et donc, j'ai peur d'être avec quelqu'un de pas terrible. Et parce qu'on connaît personne, en gros, sauf les stars internationales, mais c'est pas elles qui vont venir nous voir. Hein. À nouveau, la Furiasson ne va pas venir nous voir. Donc voilà, on a ce truc-là qui est jauger les artistes, et moi je sais pas faire et j'ai pas envie de travailler avec des gens pas terribles. Et donc je préfère travailler avec personne. C'est terrible quand je dis ça. Je comprends votre méfiance, et pourtant l'Université Paris-Saclay, ils ont un organisme qui s'appelle Diagonal, qui J'ai aidé à le concevoir cet organisme. Donc vous êtes très investi dans les projets art-sciences et dans la sélection d'artistes de qualité, loin des stars justement, qui ne sont pas non plus, enfin, ce n'est pas du tout une garantie de... de qualité, j'imagine que ça doit être la même chose en science. Mais oui, il y a des critères, heureusement, objectifs. Et la Diagonale, par exemple, est un des organismes. Oui, avec des systèmes de référés, avec des CV, etc. Des sélections. Oui, mais donc la Diagonale fait ce job, mais avant ça, il faut faire un projet qu'on va soumettre à la Diagonale. Et au moment où on fait ce projet, il faut se trouver un partenaire artiste. Ouais. Là, on ne sait pas trop qui est bon, qui n'est pas bon. Enfin, il y a ce truc-là quand même. C'est intéressant. Je vous remercie pour cette sincérité. Nous, c'est hyper facile de savoir qui est bon, qui n'est pas bon. On va voir les citations sur Google Scholar, on sait tout de suite si les gens sont d'un certain niveau scientifique ou pas. Quand il y a un artiste qui m'envoie un CV, un truc, un machin, je ne sais pas trop dire, et je ne vais évidemment surtout pas faire confiance à mon propre goût, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, je ne vais pas juste me dire, ah tiens, j'aime ou j'aime pas, donc je vais travailler avec cette personne ou pas. Et donc, par peur, finalement, je travaille avec personne dans le champ des arts purs, on va dire. Je comprends bien. Je comprends bien. Je l'ai peut-être fait une ou deux fois parce que c'était des artistes que je connaissais et que j'aimais depuis longtemps, mais ça, c'est un peu triché, quoi. Mais là, on parle vraiment d'un truc où quelqu'un de nouveau arrive, quoi. Si c'est juste travailler avec des gens que je suis depuis longtemps, c'est moins intéressant. Oui, c'est étonnant, oui, c'est intéressant même de voir cette façon très, très rationnelle, finalement, d'aborder la...
La chose est de... Alors, c'est quoi son classement? Non, c'est une catastrophe, hein, quand je dis ça. Vos collaborateurs, en même temps, ça permet de montrer aussi les différences entre effectivement les domaines. Mais vous croyez que c'est différent? C'est-à-dire que vous, dans votre champ, vous savez quand même qui sont les gens de qualité avec une réputation et un vrai beau travail et tout, et les gens un peu plus bons, non? Bien sûr. Je pense que souvent, donc, le grand public, en ce qui concerne les arts, considère qu'il n'y a pas de critères objectifs d'évaluation. Tout est subjectif, c'est une question de goût. Alors que je ne suis absolument pas convaincue de ça. Au contraire, sinon, la science de l'art n'existerait pas. Là, nous sommes connectés avec Sorbonne Art Gallery, la galerie de Paris 1. Donc, nous étudions donc l'art et la science de l'art. Ça sous-entend que l'art est aussi à une science, c'est-à-dire une épistémologie. Et donc, ça sous-entendrait qu'il y a des critères objectifs d'évaluation des travaux. Heureusement, donc, il y a aussi une épistémologie de l'art. C'est assez précis, et, voire académique, en tout cas ici à l'université. Donc, peut-être, oui, si vous collaborez pour le futur avec Paris 1, vous serez à l'abri des dangers, en tout cas dès qu'il y a une institution académique qui pose un cadre. Mais oui, pour revenir à cette question de rencontre entre les imaginaires artistiques et scientifiques, puisque c'est de ça finalement qu'il s'agit, et pour revenir au décalage, est-ce que vous avez pensé à théoriser, à aller plus loin dans ce que ces pratiques finalement vous ont apporté en termes de changement de regard, et quelle a été la perception des publics, puisque souvent dans les rapports art-science, on oublie la question du public, dans les articles notamment. Oui. Donc, avez-vous eu le temps d'étudier Alors, sur les publics, pas énormément, un petit peu, mais pas énormément. Sur l'enseignement, oui. Sur les pratiques, oui. Mais c'est clairement un enjeu. Et alors là ça va rejoindre ce truc. Là, c'est l'intérêt de la vulgarisation, c'est qu'on peut vraiment avoir des retours un peu objectifs. Sur le changement de perception chez le public, il y a tout un champ de sciences qui s'en occupe, qui sont les sciences de l'information et de la communication. Nous, on travaille beaucoup avec ces gens-là. Et là, il y a vraiment un travail objectif à faire sur l'effet d'un dispositif de médiation sur le public, et qu'on peut faire objectivement. Alors nous, on n'a pas énormément fait, mais on a plutôt travaillé sur en amont, c'est-à-dire quand on fabrique un projet, qu'est-ce qui se passe? Mais pas beaucoup sur une fois qu'on le met en scène. C'est-à-dire une fois qu'on le met en scène, on a des tas de critères quantitatifs pour savoir si ça a marché, mais qui ne sont pas terribles, quoi. C'est genre, est-ce que vous avez aimé? Combien de personnes sont venues? Combien de temps elles sont restées? Donc c'est des critères médiocres, bas niveau, qui permettent d'évaluer quand même si quelque chose a un effet, mais qui ne vont pas aller chercher un petit peu dans le cerveau des gens ce que ça a fait, est-ce que ça a transformé leur vision de la science, etc., etc. Et ça, on ne l'a pas encore bien fait. Et non, on ne l'a pas fait, donc on n'est pas bon, il faut qu'on le fasse. Bon, après, à notre décharge, on est deux enseignants-chercheurs. Et tout ce que je vous raconte en vulgarisation, on le fait aussi dans le champ de l'enseignement. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Et donc ça, par contre, on l'a beaucoup fait face à des publics étudiants. Dans cette question de nouvelles façons d'enseigner à des étudiants, on a beaucoup travaillé à tester proprement avec des enquêtes ce qui se passe. Mais il faut juste savoir, pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de ça, que... ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, ce n'est pas juste un Google Form. C'est-à-dire que c'est tout un travail de recherche quand on veut comprendre l'impact d'un dispositif de médiation sur un public. Et c'est un travail qui prend un an ou deux ans. Il faut faire de l'interview, il faut faire du quanti, du quali, l'analyser, le comprendre, remettre ça dans un contexte sociologique, etc. etc. Donc, il y a parfois cette illusion qu'ont les gens que ça va être facile d'évaluer l'effet d'un dispositif de médiation sur le public. On va poser un questionnaire en disant « vous avez aimé, pas aimé, votre vision de la science est différente, pareil », et puis on saura. Mais non, c'est un peu plus subtil que ça. Donc moi, j'ai que des intuitions personnelles, mais on n'a pas fait un vrai travail de recherche académique pour comprendre l'impact de ces dispositifs qu'on utilise pourtant depuis 10 ans. Et votre intuition personnelle sur l'impact? Bah, elle vaut rien. Je ne vous la dirai pas parce qu'elle vaut rien. Parce que justement, le principe même du scientifique, c'est qu'il ne veut pas dire « Oh bah tiens, moi j'ai l'impression que… » parce que ça, c'est du café du commerce. Ouais. Donc, je pense qu'elle vaut rien, mon intuition. Mon intuition, c'est que… Ouais, non, j'en sais rien. Mon intuition, c'est que quand on utilise des objets de vulgarisation produits par les designers plutôt que ceux produits par nous, on décontracte la situation. C'est-à-dire qu'il y a une tension quand on arrive qui est « je suis le physicien, je suis le professeur à l'université et je vais vous délivrer mon savoir ». Donc il y a un truc très top-down, hein, qui est « moi je sais, vous ne savez pas et je vais vous apprendre ». Et en plus, je vais le faire dans mes codes habituels.
Et je pense, mais c'est une intuition, je me trompe peut-être, que ça, ça replonge tout le monde dans ses cours de physique et dans son souvenir de son prof de physique. Et ce n'est pas toujours des bons souvenirs. En tous les cas, en France, ce n'est pas des bons souvenirs en général. Et donc voilà, donc c'est ça qui se joue quand on arrive dans un lycée ou quand on arrive devant du grand public, etc. Sauf si c'est du public privilégié de chercheurs et d'ingénieurs. Mais si on fait du vrai grand public, et moi j'ai fait du vrai grand public, dans un centre commercial par exemple, et ben c'est ça qui se joue, c'est est-ce qu'il ne va pas me faire le prof de physique ? Si vous arrivez et que vous montrez dès le début la danse avec les plumes là, du type en train de faire ça, tout est plus cool. On se décontracte, on est ailleurs, on n'est pas dans le champ de l'enseignement, on vous emmène ailleurs et on va essayer de vous parler de science avec d'autres outils et d'autres façons de faire. Alors évidemment, ce n'est pas que ça. Et je pense que le design va faire aussi plein d'autres choses et décaler et déconstruire et aussi questionner la science, questionner ses usages. Mais moi, en tant que scientifique, j'ai l'impression que le premier effet que ça a, c'est montrer aux gens qu'ils ne vont pas avoir un cours de physique. Ouais. Oui. C'est pas que ça, mais ça, c'est déjà pas mal. Des conditions favorables pour un apprentissage. Voilà. Ouais. On se met dans un... Là aussi, ouais. On décale un contexte de médiation. Quand je vais soudain utiliser, par exemple, on a un objet qui est un petit cirque en bois avec des piou-piou qu'on fait léviter avec de laser liquide. Je pourrais vous le montrer si vous voulez. Allez, je vous le montre. Alors, ça fait la petite pause parce que j'arrête pas de parler. Oui, et puis en attendant, peut-être on pourrait répondre quelques questions dans le chat. Oui, j'ai une question de Grégory. Est-ce que oui, vous pouvez poser des questions, tout à fait. Alors, juste avant la question, je vous fais la petite pause. Petite pause design. Donc là, ce que vous allez voir, c'est vraiment des expériences de physique pure, mais soudain, en les emmenant dans un autre univers, en les décalant un petit peu, on décontracte la situation. Vous n'êtes pas en train de voir un travail pratique, alors qu'en fait, vous êtes en train de voir un travail pratique. Et après, on va pouvoir raconter de la science, développer, etc. Donc, ce jeu de décalage, là, il est évident et il marche hyper bien. Merci. Merci pour c'est la petite pause physique. Témoignage. Alors, est-ce que nous avons des questions? Peut-être Emma Mier qui coanime avec moi et qui animera d'ailleurs la prochaine séance, je profite pour l'annoncer, pourrait récolter quelques questions. Vous pouvez aussi les poser directement si vous êtes connecté sur... Grégory, là je vois... Georgi. Ma question, c'était... Vous avez souligné que votre vision sur la physique, sur la recherche, physique, peut-être... Voilà, sur la recherche en tout cas, sur la physique en général, n'a pas changé, donc, suite à la collaboration assez avec les artistes, etc. Mais est-ce que, dans votre cas, la vision de la physique, déjà, donc, dès le début, était basée beaucoup sur les images? Est-ce que vous aviez une vision plus géométrique des choses? Parce que, bon, il peut y avoir des visions plus géométriques, moins géométriques, surtout en France, sur les mêmes choses. Est-ce que c'était basé beaucoup déjà sur les images, sur les géométriques, sur la représentation géométrique des choses ou pas? Pas du tout. Non. Moi, j'essaie de creuser dans ma tête qu'est-ce qui se joue quand je travaille, c'est surtout des formules, des équations, des objets mathématiques. C'est très peu visuel. Parce que beaucoup d'objets, beaucoup de concepts physiques sont géométrisables. Ouais. Après, bon, c'est une question d'approche, une question des coûts aussi. Donc, pour vous, je distingue pas... géométrie et image. Donc, par exemple, il y a des objets comme les rotationnels, etc., où c'est des petits moulins qui tournent, des petites choses comme ça, etc. Donc, j'ai des représentations de mouvements, j'ai des représentations de concepts et de représentations scientifiques, mais ça ne se traduit pas nécessairement en image, au sens vraiment image du terme. D'accord. Et la deuxième question, si j'ai vous... J'ai l'impression de faire psychanalyser scientifiquement, c'est hyper amusant. Nous avons affaire à un spécialiste de la finance, mais aussi à un physicien. D'accord. Par ma première formation. Est-ce que pour vous, les objets d'art, donc les créations que vous nous avez montrées donc, en vidéo et en photo, est-ce que pour vous, ça s'inscrit toujours dans l'enseignement, vulgarisation, c'est-à-dire que rendre quand même une image plus ou moins fidèle
du phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire que pour que cet objet d'art cerne l'essentiel du phénomène physique dont vous parlez, ou c'est plutôt une esthétisation de esthétisation autour de ça, avec juste une inspiration, que la physique, donc le phénomène physique inspire donc les artistes, et rendre une fidèle image, c'est secondaire. C'est une bonne question. Alors en fait, il y a vraiment un curseur, et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un continuum. C'est-à-dire qu'on a on les a vraiment identifiés en travaillant vraiment sur les différents projets qui ont été réalisés. Il y en a eu plus de 200, hein, donc on a une masse, on va dire. Et sur ces 200 projets, il y en a très clairement une partie où le designer a voulu être fidèle au phénomène scientifique et faire un travail de vulgarisation. Et d'ailleurs, un truc qu'on voyait bien, c'était que pendant tout le suivi du projet, il revenait très très souvent vers moi pour valider, pour vérifier, pour tester. Il y en a d'autres qui sont partis ailleurs, qui s'en sont inspirés pour produire de la matière plastique dans leur champ à eux et dans leur territoire. Je pense que là où nous, on était peut-être original par rapport à d'autres gens qui font ces approches de vulgarisation, c'est que ceux qui partaient complètement ailleurs, on leur disait « aucun problème, allez-y ». On ne les emmerdait pas en leur disant « eh mais non, ma fonction d'onde, c'est plus du tout ça, là, vous faites n'importe quoi, c'est devenu un saladier votre truc, il y en a, c'est devenu des saladiers ». Et on s'autorisait ce continuum, mais ceux qui disaient et qui avaient un discours de vulgarisation en disant « moi, j'essaie vraiment de travailler votre représentation et tout », eux, on les tenait vraiment et on les emmerdait jusqu'au bout pour vérifier que leur vision était, entre guillemets, fidèle et pas faussée par rapport au concept en jeu. Mais ceux qui disaient « moi, je m'en inspire et je vais produire d'autres choses », on les laissait aller ailleurs sans aucun problème. Après, se pose la question de l'usage de ces objets-là. Et là, la question clé, c'est la question de médiateur. C'est-à-dire, est-ce que l'objet existe tout seul ou est-ce qu'il y a une médiation qui l'entoure, un cartel, une personne et quelqu'un qui produit un discours pour expliquer ce qu'est cet objet. Si on montre le clip en train de danser avec ses poils, je sais qu'il y a eu une démonstration comme ça au Palais de Tokyo de ces danses-là, mais il n'y avait pas de physicien qui était là. Je pense que les gens n'ont pas vu le lien avec la science ou la physique en dehors du titre. Et donc, c'était un peu bidon de ce point de vue-là. Ce n'était pas un travail de vulgarisation, c'est un travail de chorégraphie. Si j'avais été là et que j'avais fait un petit discours avant... J'avoue que je n'ai pas fait trop de liens avec... Alors si, en fait, alors, je pourrais vous faire un discours de 10 minutes, mais justement, en tant que médiateur, je pourrais vous faire un discours de 10 minutes pour vous expliquer à quel point, finalement, ça explique vraiment quelque chose de la quantification et d'un saut brutal d'énergie dans des niveaux d'énergie différents. Alors, il y en a d'autres. Il y a le laser, le machin, le truc et tout. Donc, vous ne serez pas l'exercice, mais je pense que la question de la présence du scientifique à la fin, au moment de la médiation, elle est clé. Ça peut devenir une expo, il y a déjà eu des expos comme ça, entre guillemets, artistiques. Ils utilisent juste ces matières plastiques originales pour donner des choses à voir et où la science est partie ailleurs, et ce n'est pas grave. S'il y a un médiateur scientifique qui est là, ou un physicien par exemple, et ben on va rajouter une couche de discours scientifique et montrer le lien et pouvoir là rajouter de la compréhension. Donc voilà, donc il y a tous les curseurs possibles. Et je crois qu'il faut laisser ça très libre parce que sinon c'est bien juste un travail un peu vain, quoi. Justement, bonjour, merci beaucoup pour votre honnêteté, parce que vous m'avez fait un peu peur au début, mais c'est super intéressant en fait d'entendre vraiment votre expérience. Et du coup, pour revenir justement à ce thème de la liberté, parce que je suis cofondatrice avec Iglika, et je vais ni vous parler d'art et ni vous parler de science, parce que je suis spécialiste dans aucun. Mais je vais vous parler d'humanité, en fait, parce que je pense que ce qu'on essaye de dessiner ici, c'est pas de dire aux artistes « soyez scientifiques », ni de dire aux scientifiques « soyez artistes », c'est de dire qu'on est liés humains, et quand vous avez parlé de votre peur de liberté et votre peur de vous faire confiance par rapport aux artistes que vous aimez bien et à ce que vous allez prendre en compte pour vos recherches, est-ce que quelque part, c'est pas là où ça devient intéressant, et même si au final, la recherche... ne donne rien. Ah ouais, c'est intéressant comme question. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille justement là où sont mes peurs et là où sont mes doutes et pousser ça pour avoir des choses un petit peu plus aventureuses et aller vers des interlocuteurs dont je ne sais pas, je vous ai pas prévenu que vous serez psychanalysé en direct. C'est une bonne question. Alors là, moi, je vais réancrer ça dans un contexte institutionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi la question de l'institution. Moi, je ne parle pas tout seul, Julien, qui aime la physique et qui va avoir des potes designers. Je suis soutenu, payé par une université et par une institution. Et mon job quand même, moi, en tant que prof de physique, fonctionnaire, etc., etc., c'est servir un petit peu cette cause-là, quoi. C'est pas juste me faire plaisir à aller dialoguer avec des gens et moi, m'ouvrir les chakras, etc., etc. Et donc, moi, je me tiens à ça quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai un positionnement... je sais pas, non, mais c'est vrai ce que vous dites, j'en sais rien. Ouais, je me laisse peut-être pas aller assez vers mes peurs.
Alors, tu as peut-être une raison à ça, c'est que beaucoup de gens le font, à mon avis, et peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire que le champ Arrêt Science, il est quand même en pleine explosion, et vous en êtes bien la preuve, et plein de gens font des tas de projets Arrêt Science, mais ces projets art appliqué, design et vulgarisation, alors là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je me suis dit que moi, j'avais peut-être une valeur ajoutée, quelque chose d'original là, alors que si je vais commencer à travailler avec des artistes plasticiens, je vais refaire ce que tout le monde a déjà fait 10 fois avant moi ou à côté de moi, et je ne vais rien apporter d'original. Et moi, je me pose quand même toujours cette question de ma valeur ajoutée à moi. Peut-être pas assez mon plaisir, mais ma valeur ajoutée. Et je pense que je n'ai pas de valeur ajoutée dans le champ des arts-sciences, où il y a plein de très bons artistes et très bons physiciens qui font plein de choses ensemble déjà. Alors que dans le champ du design, arriver à bosser avec des designers pour créer des objets de vulgarisation originaux, ça, j'ai l'impression qu'on est moins nombreux. Donc, c'est une façon de ne pas répondre, hein, que je fais là. Oui, oui. Mais merci quand même. C'est un plaisir. Une dernière question peut-être, puisque je vois que le temps avance et il y a une autre séance juste après. Si quelqu'un souhaite poser une dernière question, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Mais c'était une interrogation par rapport au à la question qui était posée, hein. Comment la création pourrait-elle porter un autre regard sur des concepts scientifiques complexes? Et moi, j'aurais voulu interroger finalement le statut du chercheur, tel que vous l'avez d'ailleurs présenté. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas une nécessité à non pas à inventer, ni même à signaler, mais peut-être à étendre dans le cadre de sa vie le statut du scientifique, puisque finalement, quand on regarde certaines biographies de scientifiques très, très, très reconnus, bon, moi, ma référence, c'est Nikola Tesla ou enfin, bon, d'autres, évidemment, biographies qui seraient passionnantes à mentionner, mais on se rend compte qu'ils ont quand même des comportements qui se rapprochent de ceux des artistes dans leur manière de vivre, dans leur façon, leur rythmique de vie, d'ailleurs, la vie nocturne, il y a beaucoup de choses qui les relient, en fait. Et donc, c'est pour aller du côté du vivant, hein, parce que Emma en parlait à l'instant, et puis je crois que c'est aussi la spécialité d'Iglica sur l'infiniment petit. Je crois que il y a quelque chose dans cette question qui pourrait trouver des réponses dans l'idée de l'extension de la création, même au niveau de ce que la science revêt en termes. Il n'y a que moi qui... Non, on l'a perdu, je crois. Coupé, non. Ah. Ouais, il y a eu une coupure, mais nous avons compris Moi, je suis pas sûr d'avoir compris. Le terme de la question. L'idée, c'était... Ah. Alors, c'était est-ce que les scientifiques, si j'ai bien compris, est-ce que les chercheurs et les artistes, finalement, ne se ressemblent pas plus que ce qu'on pense? Allô? Ça, pour arrêter de... Moi, je vous entends. Ah, d'accord. Vous m'entendez? Vous avez perdu la connexion? Oui. Ah, ok. Donc, alors d'abord, sur ce rapprochement entre scientifique et artiste, alors je pense qu'ils partagent des choses en commun, mais là aussi, il faut se méfier des mythologies et des mythes. Et si on regarde maintenant les scientifiques de maintenant, comment ils travaillent, comment ils sont, etc., etc., on n'est pas dans le Nikola Tesla du 19e siècle. Hein. Et faut quand même aller voir vraiment la vie des gens et comment ils sont. On est dans une vie quand même assez carrée, assez cadrée, avec des habitudes de vie liées au laboratoire, liées à la science contemporaine, qui font que c'est pas c'est pas des gens aussi peut-être. Ils n'ont plus de pour y rêver. Temps de. Ouais. Il y a peut-être plus le de temps de sortir la nuit. Je sais pas. Mais quand même cette question, alors pour pas avoir l'air complètement fermé, peut-être ça peut être une forme de conclusion de ma part en tous les cas et pour répondre aussi au souci de Emma. Ce qu'on voit bien, c'est que là vous avez face à vous un vieux scientifique classique. Hein, je vais le dire comme ça. Donc, j'ai essayé de m'ouvrir quand même, hein, aller vers le design d'art, mais quand même, je ne suis pas rigolo et je ne m'ouvre pas facilement. On va le résumer comme ça. Et donc, ce que ça veut peut-être dire, c'est qu'il faut travailler sur les plus jeunes générations, à les ouvrir un peu plus, à les ramener un petit peu, à un moment donné, de questions artistiques dans leur cursus. Nous, on forme beaucoup d'étudiants physiciens en particulier, et ils sont bien pires que moi. Ils n'ont aucune culture en moyenne artistique, par exemple. Hein, ils ne savent vraiment rien de l'art contemporain ou pas grand-chose. Et donc, il y aurait peut-être un bel enjeu pour nos universités où on se targue de mélanger justement différents champs disciplinaires, que ce soit la vôtre ou la nôtre, et bien profiter de ça pour à un moment donné avoir peut-être des cours, des workshops, des trucs d'ouverture, des systèmes interdisciplinaires, comme ça existe peut-être parfois, on va mélanger un peu des artistes, des designers, des physiciens, etc., etc., pour les faire se frotter un peu les uns aux autres.
mais pas en leur vendant des fausses espérances du genre « vous allez devenir un scientifique complètement différent » ou autre, mais juste pour les ouvrir culturellement, pour que quand vous les interrogiez dans 20 ans, ils soient un peu moins fermés que moi. Donc c'est peut-être ça qu'on peut essayer de faire ensemble. Oui, je pense que c'est une très, très belle conclusion. Et le scientifique fermé que vous décrivez travaille depuis 20 ans quand même avec des créatifs. Donc c'est ouais. ça qui est intéressant. C'est désespérant. Il y a... c'est pas... non, il y a une note d'espoir, justement. Eh bien, merci beaucoup, Julien Bourbrof, pour cette rencontre. Merci à vous. Et on espère qu'on continuera à vous suivre. Est-ce que vous avez peut-être une page à indiquer Vulgarisation.fr. Oui. D'accord. Vous d'accord. allez sur vulgarisation.fr, vous trouverez oui. tous nos derniers projets. Il va y en avoir des super qui vont arriver et il y en a des très jolis qui viennent d'arriver. Et si je peux glisser sur un dernier projet, je fais la pub oui. d'un projet juste pour le plaisir, parce qu'on vient de recevoir alors, le prix du public d'un festival. Vous allez voir, juste pour vous faire plaisir, un film qui s'appelle Le Nobel Chevelu. Et voilà, vous allez voir ce qu'il y a de plus beau dans tout ce qu'on a fait, nous, pour moi, en termes de art et science. C'est fait avec une ancienne de l'ENSA dans cinéma d'animation. Et ça explique un des sujets de physique les plus abominables possibles, qui est la topologie quantique, avec des petits tubes en bois et des bouts de papier. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le top du top. Voilà. Merci, le Nobel Chevelu. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette première séance. La prochaine sera animée par Emma Millet. Elle invitera à cette occasion Claire Damezin. Claire Damezin, écophysiologiste végétale. Il sera question des interactions entre l'art, la biologie et une approche plus sensible de l'écologie. Vous retrouverez toutes les informations sur cette prochaine séance sur le site de Sorbonne Art Gallery, rubrique Art Science. Bonne semaine à toutes et à tous.